Coucou mes amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant ce mois de juillet? On va aller regarder comme d'habitude votre prédictif. Il y aura aussi le domaine professionnel, les énergies, les vibes, les vibrations. Comment est-ce que vous allez vous sentir pendant ce mois de juillet? Et on finira par la guidance sentimentale. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker. Les pouces bleus, c'est vraiment important. Ça fait vraiment avancer la chaîne. Et puis, ça montre aussi que vous aimez le contenu. Vous pouvez aussi vous abonner ici en bas à droite de la chaîne, ainsi qu'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos et guidances que je poste. Si vous connaissez des copains et copines Verseau, vous pensez que ça peut résonner pour eux, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ce contenu. C'est une guidance générale, je vous le rappelle. Ne prenez que ce qui est positif pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous booste, ce qui vous porte, ce qui vous permet d'avancer. Voilà, il existe plusieurs messages disséminés dans cette vidéo et chacun peut y récupérer vraiment ce qui lui fait du bien, je le rappelle. Voilà. Il y a aussi une guidance sentimentale spéciale célibataire, parce que je ne parlerai peut-être pas que pour les célibataires, ou je n'en parlerai tout simplement peut-être pas. Il y a une guidance, en tout cas spéciale célibataire, pour vous Verseau, qui va arriver pour le mois de juillet et août, spécial été. Voilà, elle vient juste après les signes astro du mois de juillet. En attendant, on s'occupe ici et maintenant de votre mois de juillet. C'est parti. Allez, mes amis Verseau, on va commencer de suite par l'oracle des nombres. Voilà, un nouvel oracle que je viens d'acquérir. Voilà, si les chiffres et les nombres vous tentent, il est plutôt bien fait. C'est Elodie Duverger, son autrice, qui l'a conçu. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la numérologie, n'hésitez surtout pas. Il est vraiment très sympa. Alors, pour vous, le chiffre qui sort ce mois-ci, c'est 52. Nouveau cycle. Bah là, on est pas mal. Hein. Là, les Verseaux, on est pas mal parce qu'on est sur l'énergie en plus du 7, le 5 et le 2 qui forment le 7. Donc, quelque chose de concret. D'habitude, je dis plutôt l'amour universel, l'amour inconditionnel. Donc, quelque chose qui n'est pas très palpable, hein, quelque chose qui n'est pas, je veux dire, vérifiable. Quelque chose qui n'est pas, déjà, c'est pas facile à mettre en œuvre. En règle générale, on va mettre toute une vie, toute une incarnation terrestre si on a été missionné dans ce but-là, pour aller vers l'amour universel inconditionnel, donné sans attendre en retour, donné de manière, comme on le dit, inconditionnelle, un petit peu comme les énergies de la Vierge Marie, par exemple. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus concret. Alors, il me semble qu'effectivement, il y a eu du travail, il y a eu de l'expérimentation par rapport à ce chiffre 5. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes un petit peu sur un combat d'une dualité. Il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez peut-être pas, à mon sens, à mettre le doigt dessus. Ce je ne sais petit quoi qui me manque dans ma vie pour pouvoir, du coup, rebondir et aller à l'étape d'après. Mais là, c'est comme si on rentrait quand même dans quelque chose de très important dans votre future vie. Parce que c'est comme s'il manquait la dernière pièce du puzzle. Exactement, c'est exactement ça que je ressens. Donc, dans ce nouveau cycle, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte en supplémentaire? Je vais vous le lire. La roue tourne, un nouveau cycle s'ouvre bientôt à vous. Profitez de cette nouvelle occasion de vous épanouir. Voilà, donc utilisez votre intelligence, votre persévérance, voyez, cette dualité. On a l'intelligence, on a le mental, on a l'esprit, on a le... Alors, bon, c'est symbolisé par l'ego, mais pas que. On a aussi le cœur. Alors, il y a un combat entre plusieurs personnalités, c'est ça, plusieurs personnes dans votre personnalité en fait. Et il me semble que, voilà, il manque un petit truc pour que la roue tourne complètement, juste un tout petit élément. Je vous finis de vous lire la carte. Donc, voilà, tout est à nouveau possible, croyez en vous et en vos capacités, passez à l'action pour pouvoir voir dans votre vie les résultats que vous souhaitez connaître. Donc, au niveau de l'affirmation, si vous voulez amplifier encore plus ce nouveau cycle qui se met en place, dès le mois de juillet, vous pouvez répéter « Je m'ouvre à ce nouveau cycle qui se présente à moi et utilise toutes mes capacités pour le vivre pleinement. » Voilà. Il y a un petit défi, c'est-à-dire il y a une petite concrétisation. Si vous voulez approfondir encore plus pendant ce mois de juillet, vous pouvez
voir que aujourd'hui c'est le premier jour du reste de votre vie. Vous pouvez décider d'être une toute nouvelle personne. Quand je vous ai dit que vous allez passer à une étape, hein, à une conscience supérieure, c'est exactement ça. Vous êtes au premier jour de votre nouvelle vie. Voilà. Donc vous pouvez décider d'être une toute nouvelle personne, la personne que vous souhaitez devenir de tout votre cœur. Réfléchissez aux qualités que ce « vous » doit incarner et voyez comment dès aujourd'hui, vous pouvez faire le choix d'être la meilleure version de vous-même. Waouh ! Bon, mes amis verso, donc on est sur une très profonde transformation. On va aller voir au niveau du prédictif, qu'est-ce qu'il y a ? Ouh, tout s'échappe. Ah, de bonnes cartes. Sachant que celle-là, quand elle m'a été donnée, elle était à l'envers, donc je vais vous l'interpréter à l'endroit, mais on aura plutôt l'essence inverse en fait. Alors, plaisir. Donc là, effectivement, il va falloir... Alors, plaisir maison et la chauve-souris qui vous avertit d'un danger. La chauve-souris qui, en règle générale, est reliée un petit peu comme celle de Béline. Le vol, la perte, qu'est-ce qu'il faut que vous perdiez ou qu'est-ce que... alors, pas que vous alliez usurper, chaparder, mais à mon sens, qu'est-ce que vous devez séparer ? J'ai vraiment l'impression... Alors, notamment qu'il vous manque ce petit je ne sais quoi, mais vous avez peur de lâcher complètement la bride, de lâcher vos dernières résistances. C'est comme si, voilà, ça arrive, ça se met en place, et puis peut-être même, je vous dis, il manque cette pièce, mais si ça se trouve, elle est dans votre boîte à outils. Mais vous n'êtes pas allé la chercher profondément en vous. Ou il y a peut-être une aide extérieure, une personne, dans une symbolique, ça peut être, voilà, ça peut être votre père, votre mère, votre tante, vos enfants, enfin voilà, votre partenaire, qui détient une petite clé, mais toute petite, hein, vous savez, c'est juste la petite clé. Vous avez la clé de 7, il vous faut la clé de 6, quoi. Et la clé de 8, et pour avoir la clé de 7, justement. Et là, vous n'y arrivez pas, mais c'est trop grand. Donc, le boulon, vous avez beau le tourner, ça ne fonctionne pas avec le doigt, ça vous escargnoque, ça vous fait mal. Donc, voilà. On parle de plaisir et de maison, il y a quand même un lâcher-prise. Alors, ça peut être aussi ce nouveau cycle, hein, ces nouveaux projets. Ça peut être relié à effectivement quelque chose de la maison. Ça peut être un achat immobilier, ça peut être, j'entends le mot édulcoré, c'est-à-dire que vous arrangez votre foyer, ça peut passer par la décoration ou des profonds changements, d'accord ? On peut... l'impression que c'est comme si vous nettoyez entièrement l'intérieur de votre maison. Alors, est-ce que vous êtes en train de tout détruire pour tout reconstruire ? C'est peut-être probable pour certains. Mais en tout cas, la carte plaisir y est associée. Donc là, vous prenez vraiment, on me dit un malin plaisir. Je ne sais pas pourquoi malin plaisir, parce que ce n'est pas ça. C'est que il y a un petit côté elfe, un petit côté lutin, vous voyez, dans votre énergie. Vous êtes comme un petit gosse, comme un petit farfadet, vous voyez, qui fait des petites bêtises, qui dépose du sucre dans les petits pois, qui dépose du sel dans une glace au chocolat. Voilà, les petites facéties. Et là, vous êtes là-dedans, en fait. C'est ces petites, petits amusements qui vous font un bien fou. Alors, ben, c'est ça, c'est le sel de la vie aussi, c'est être en joie pour justement de la rigolade, quoi. Et c'est peut-être ça qui vous manque, justement, la petite clé, hein, c'est ce côté frivole, ce côté... ouais, mais on est là aussi pour rigoler dans cette vie, parce que sinon, c'est pas la peine. Donc, on vous a peut-être volé aussi ou vous l'avez peut-être perdu aussi, cette âme d'enfant d'aller sauter dans les flaques de boue avec les chaussures qui valent de l'argent, quoi. Papa et maman, ils vont crier. C'est pas grave. C'est pour ça que je sentais un petit peu le côté malin, un petit peu le côté... mais je fais, c'est une bêtise, mais c'est pas grave. Voilà, on le dit des fois, les gosses sont traversés par le mal. On ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Mais est-ce que c'est pas justement ce petit côté lutin, petit côté farfadé qui a vraiment envie de s'amuser, quoi, parce que la vie est un petit peu, sinon, tristounette, quoi. Donc là, vous rentrez dans des plaisirs qui sont associés, effectivement, à tout ce qui est relié à la maison, donc votre appartement, votre lieu de... votre lieu d'habitation, quoi. Voilà. Mais n'oublions pas qu'il y a quelque chose qu'il va falloir réintégrer. Alors, à mon sens, donc, elle était tournée à l'envers quand je l'ai tirée.
Donc là, ça veut dire ni plus ni moins que la chauve-souris, qui est la messagère de vos peurs, de doutes et angoisses. Donc, quand je vous parlais de cet enfant intérieur, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, vous faites peut-être passer et vous mettez en place que des actions d'adulte. Et vous n'êtes pas du tout dans le cœur de votre plexus solaire, vous n'êtes pas du tout dans le cœur de votre joie. Et il va falloir faire peut-être des méditations sur l'enfant intérieur, il va peut-être falloir faire, pourquoi pas, des hypnoses, des régressions, si vous en avez la capacité, si vous rencontrez les bons thérapeutes, si vous avez confiance, ou tout simplement mettre en place des choses pour réactiver le chakra du plexus solaire, parce que c'est vraiment un chakra qui est relié à l'enfant intérieur, à la joie intérieure, et c'est ce qui vous manque, vous voyez. Donc le messager de la nuit, hein, cette petite chauve-souris, vous dit, mais je suis là pour venir te redonner, parce qu'elle symbolise le vol, la perte, et à l'inverse, elle vous redonne ce que vous avez perdu. Mais à mon sens, vous l'aviez perdu, juste oublié. Vous l'aviez mis de côté. Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, une aide extérieure, donc encore une fois un thérapeute ou peut-être juste un ami ou un membre de la famille, un collègue de travail qui vous prend la main et qui vous dit « Allez, c'est bon, on lâche la bride, il faut absolument qu'on reparte et qu'on fasse pomper l'up, qu'on est reparti pour faire la fête, qu'on s'amuse sans se soucier vraiment des conséquences d'adulte en fait. » C'est ça, c'est ce côté... on lâche la bride. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'il fallait lâcher un petit peu du lest, lâcher de la bride, de ne plus être dans ces énergies de compliqué. Hein. Vous voyez, c'est compliqué. Alors, vous avez peut-être été mis en garde. Alors, vous l'avez peut-être entendu, on vous l'a peut-être formulé. Vous aviez peut-être, parce que le 5, c'est aussi outrepasser les limites qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous appartiennent pas. Vous aviez peut-être, je ne sais pas... Et vous étiez peut-être trop possessif, trop possessive, vous étiez peut-être trop intrusif ou donneur, donneuse de leçons. Voilà, dans le côté du 5, ça peut être ça, ou un petit peu trop contrôlant, vous voyez. Alors, contrôlant un petit peu dans la manipulation, c'est-à-dire que vous souhaitez faire des choses et bon, si on ne va pas dans votre sens, ça vous contrarie. Voilà. Et si vous reconnaissiez dans ces aspects-là que je viens de vous citer, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être pour ça que justement vous aviez mis de côté votre personnalité, parce que vous étiez peut-être devenu trop ça, trop manipulant, trop contrôlant, trop avec des masques, hein, des masques de blessures de toute façon. On vous dit quand même de retrouver cet état d'enfant, cet état intérieur complet, quoi. Cet adulte plus cet enfant, le 2. Voilà. Parce que sinon, c'est, sinon la vie ne vaut pas d'être vécue. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment le message pour vous, en fait. C'est qu'il faut rigoler, quoi. Il faut rigoler. Vous êtes dans l'apprentissage, votre état d'esprit, l'apprentissage relié à la communication d'ailleurs. Donc, ça va être peut-être justement d'apprendre à se reconnaître, à se reconnecter, à reparler à cet enfant intérieur qui est peut-être là en attente, où il est peut-être blessé, il est peut-être, il était isolé, mis sur le banc de touche, hein, tout simplement. Voilà, il n'avait plus le droit de jouer. Il n'avait plus le droit de jouer au foot. Et puis, là, il va falloir donc du coup repartir sur des formations. Alors, formation qui peut être reliée effectivement à cet enfant intérieur, hein, donc cette reconnexion, mais aussi un apprentissage que vous pouvez vous-même enseigner, d'accord ? Vous êtes peut-être dans cette découverte-là où vous dites, tiens, je peux moi aussi, du coup, avec tout ce que j'ai appris, donner des bons conseils. Alors, ça peut être sur n'importe quel sujet, hein, sur n'importe quel domaine. Mais effectivement, vous avez cette capacité-là, ou justement, vous êtes dans cet apprentissage de vie, ou par rapport à quelque chose de plus concret, d'accord ? C'est être dans quelque chose pour arriver à une certification, un diplôme, passer un concours, mais quelque chose qui est peut-être relié effectivement à la construction ou à l'immobilier ou à des métiers qui sont vraiment là-dedans. Accepter. Donc là, c'est votre besoin d'aujourd'hui. Accepter de finir avec le Verseau non accompli.
Je sens vraiment la poignée entre la main d'un petit enfant et la vôtre, en fait. C'est vraiment ce que je ressens, c'est accompagner ce petit enfant qui a été relégué sur le passé, qui a été relégué au fin fond de vous, et le faire réémerger. Je vois vraiment comme un puits profond, voilà. Et vous, adulte, de manière très sécuritaire. Et pourtant, vous vous engagez profondément dans le puits. Hein. Vous êtes vraiment très. Il y a pratiquement les trois quarts du corps qui vont au fond du puits. Mais c'est comme si tout était sécurisé. Vous aviez un harnais, on vous tient les pieds. Enfin, voilà, vous êtes très ancré. Donc, vraiment dans beaucoup d'apprentissage. Et vous tendez la main profondément à ce petit verso, cet enfant intérieur qui était là, qui était en attente ou qui était abandonné, entre guillemets, seul, oublié. Voilà, c'est plutôt ça, oublié. Et tous les deux, vous êtes en train de pas refaire la paix parce qu'il n'y a pas vraiment y a pas vraiment de paix, mais vous acceptez justement de repartir dans les tréfonds de votre âme avec peut-être des peurs, des doutes, des incertitudes, aller embrasser le passé et peut-être il y a peut-être des miasmes, il y a peut-être des choses qui vous font. Voilà, on n'a pas envie de revenir dans nos ténèbres et on n'a pas du tout envie de revenir dans des instants comme la nuit noire de l'âme. Bon, bref, voilà. Vous acceptez complètement d'aller chercher au plus profond de vous-même les ressources et ce petit enfant qui est là pour vous apporter que du soleil. Voilà. Et cet enfant accepte avec joie, il n'y a même pas de pardon, il n'y a même pas d'acte d'acceptation en fait, hein. C'est même pas la carte qui. Lui, il le fait avec joie en fait. Ah, enfin, enfin, tu fais appel à moi. Enfin, ce petit lutin farfadé va sortir de sa réserve. Alors, un conseil, c'est partir. Alors, partir en voyage astral, pourquoi pas, partir en hypnose, partir en régression, partir en méditation, ça déjà, c'est ok, d'accord? Ça peut être aussi s'échapper d'un quotidien, s'échapper de votre routine, de cette roue, de cette matrice hein, dans laquelle on est tous enfermés, hein, ce qu'on appelle le train-train quotidien, métro, boulot, dodo, bon, même si tout le monde ne prend pas le métro. Mais bon, vous avez compris. Donc, ça va être justement. Alors, pas s'échapper, mais prendre en compte ce que vous laissez, vous déplacer un petit peu plus loin ou très loin, hein, ça dépend de la destination, ça peut être un voyage physique. Ça vous permet vraiment complètement de réfléchir au sens que votre vie va prendre, ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ce nouvel objectif. Pragmatiquement, ça peut être aussi aller dans une autre maison, une maison de vacances, d'accord? On peut voir ça effectivement comme ça, ou aller chercher un plaisir au niveau des vacances, si vous partez en vacances, là, vous avez cette capacité de laisser, alors j'ai envie de vous dire oui et non, de laisser vos affaires chez vous avec peut-être les problématiques ou avec les blocages, mais d'en emmener quand même un petit peu, comme des devoirs de vacances, voyez? Pour vous permettre de réfléchir et pouvoir incorporer et trouver des solutions en dehors de chez vous. Voilà, ces aides extérieures que l'on va chercher à travers les voyages. Parce que quand on se déplace, hein, quand le corps et l'âme se déplacent, ils vont toujours chercher tous les deux des bribes de souvenirs, de vie antérieure, de, bon, ça c'est ma conviction, ce sont mes valeurs, hein, des rencontres, d'aller voir d'autres âmes. Voilà, et ça c'est important. De vous dire que dans ces voyages, vous allez récupérer des bribes de souvenirs, des bribes peut-être de ces enfants, de ces âmes ou de ces lieux qui vont vous parler, qui vont vous permettre de justement, quand vous allez ensuite revenir chez vous et reposer tous les bagages avec vos devoirs de vacances, dire, ok, j'ai reçu ça comme enseignement, hein, rappelez-vous, hein, l'apprentissage, et maintenant, je peux me permettre de réincorporer un petit peu de fun, de jovialité à l'intérieur de ma vie et de vivre avec ce nouveau moi, ces nouveaux objectifs. Professionnellement parlant, vous avez pris du retard, il y a un changement immédiat. D'accord? On est exactement dans cette dynamique où ce nouveau cycle se met en place, changement immédiat, même professionnel. Immédiat, imminent, pardon, c'est pareil. On est sur le chiffre 1, le chiffre 1, on termine quelque chose, d'accord? Et on recommence une nouveauté. Donc,
Si vous êtes à la recherche d'emploi, effectivement, il y a eu un moment de latence, un moment d'attente, un moment de vide, d'accord ? Là, sur ce mois de juillet, ça risque de changer, ça risque de s'imbriquer. Alors, on peut vous proposer effectivement de nouveaux postes, ou peut-être pour le mois d'août, ou peut-être sur le mois de septembre, d'accord ? Là, on est vraiment, c'est là, c'est à votre porte, hein, ça se met en place. Alors, soyez ouverts parce que soit on peut venir vous chercher, soit vous faites une démarche qui check, qui arrive, qui est là, qui est probante et qui est OK, qui vous ouvre les portes. Pour ceux qui sont déjà dans la position professionnelle, on est peut-être sur des reconversions professionnelles. Là, on parle de personnes qui ont envie de complètement changer leur routine, complètement envie de changer leur quotidien. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas payé. Alors, je le dis, parce que d'habitude, je ne le dis pas, mais là, je vous le dis, parce que je l'entends. Vous n'êtes peut-être pas payé à votre juste valeur. C'est ce que je ressens quand je me connecte à votre énergie. Ça parlera peut-être qu'à une personne, mais au moins le message aura été porté. Et voilà. Et donc, vous avez vraiment envie qu'on vous reconnaisse. Vous avez vraiment envie que l'on voit le nouveau verso que vous êtes en train de mettre en place. Et vous pensez mériter mieux. Vous avez raison, d'ailleurs. Vous méritez... être à la hauteur, que le salaire, que l'argent soit en adéquation et à la hauteur de vos attentes et de vos compétences. Ça a pris du retard, on est d'accord, effectivement, vous avez eu du mal et vous êtes peut-être encore dans ce travail pour pouvoir rayonner. Je sens vraiment le rayonnement, on a le plexus solaire qui explose, voilà. Et pour les autres, alors... ce n'est pas forcément une reconversion professionnelle, mais c'est une envie d'incorporer de la nouveauté dans du plan-plan, voyez, ou d'incorporer de nouvelles personnes, de nouveaux contrats. On l'a peut-être aussi, l'apprentissage. Vous allez peut-être vous déplacer pour apprendre quelque chose. Vous allez vous déplacer, j'en sais rien, en France ou ailleurs ou à l'étranger, à un colloque. Par rapport à... j'ai envie de dire, ça a l'air d'être assez grand. Je vois des grandes salles, comme vous savez, des grandes salles de spectacle. Et il y a des conférences, il y a des choses comme ça. Donc, il y a vraiment une connexion avec de la grandeur. Et ça, c'est au niveau du plexus solaire. Alors, vous êtes peut-être aussi formateur. Mais là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans le public, vous êtes spectateur, mais intervenant quand même. D'accord ? Participatif aussi, il y a un échange. Il y a un échange et ça vous permet vraiment d'augmenter vos capacités qui vous donnent une compétence supplémentaire et qui permet d'étayer et de rajouter de l'eau à votre moulin, voyez ? Ou des choses à rajouter à votre CV si on est vraiment cartésien, qu'on ramène ça dans la matière. Ou alors on est sur des bilans de compétences, mais là... ça vous permet vraiment de jumper, quoi, de sauter sur le trampoline et d'aller plus haut et de rechercher des opportunités qui sont à votre valeur. Voilà. Énergétiquement, il y a de la souffrance émotionnelle. Ah ben c'est normal parce que je vous l'ai dit, hein, énergétiquement, vous commencez à mettre 3/4 de votre corps dans le puits. Ce puits sans fond, mais si, il y a un fond puisqu'il y a le petit enfant à l'intérieur qui vous attend, votre petit être, votre petit verso qui n'attend qu'une chose, c'est que vous alliez... et que vous rentriez en communion avec lui, que vous l'attrapiez, que vous fassiez des bisous, 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 bisous et des embrassades de retrouvailles. J'ai dit réconciliation, mais non, on me l'a empêché de me le dire, donc je ne vous le dis pas. Parce qu'il n'y a vraiment aucun préjugé entre vous deux. Et il n'y a aucun sentiment d'abandon. J'entends, est-ce que c'est votre petit verso qui parle, mais j'entends qu'on vous dit, moi je n'ai pas du tout de grief contre le vous adulte en fait, j'attendais, on était vraiment là sur une attente, mais il n'y a pas vraiment de il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de, voilà, même s'il y a eu un isolement, c'est comme si c'était, on avait mis la touche pause. Alors souffrance émotionnelle, elle vient donc plutôt de vous en fait, parce que ça va être difficile d'aller se reconnecter à cette part de lumière, mais cette lumière qui est dans le noir. Vous voyez, c'est un petit peu comme la carte Nadir au niveau de l'oracle de la triade. C'est une carte qui est toute noire,
Et juste dans la carte, en minuscule, il y a un tout petit point blanc. Eh bien, un point lumineux. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. C'est la même essence que je ressens. Et se reconnecter à cette part de shadow, quoi, cette part d'ombre, ça vous fait un petit peu peur. Et puis vous sentez que, voilà, enfin, vous avez déjà un petit peu galéré à vous en sortir de tout ça, de cette souffrance sentimentale ou de manque de confiance ou du dégoût de soi ou des combats, en fait. C'est significateur de combat et effectivement de souffrance émotionnelle, on ne peut pas le dire autrement. Mais c'est essentiel. Et ce mois-ci, il y a des déclencheurs, d'accord? On appuie sur le fait déjà que c'est une carte qui est reliée au 9, donc il y a de la sagesse quand même. On est sur une fin de cycle. 9, c'est ça aussi, c'est l'accomplissement, la fin de cycle. Et on vous dit vraiment que ça vaut la peine. Ces déclencheurs vont vous permettre de réaliser tous vos rêves. Regardez, on a déjà direct l'enfant intérieur qui ressort, d'accord? Donc ça vous permet... je l'entends, de réparer le passé, votre présent, mais aussi votre futur. On a la représentation des trois femmes, d'accord ? La femme enfant, la femme adulte et la vieille femme. Et on repart aussi sur un cycle fœtal. On a quand même l'ancrage, ce que je disais, hein, au jour d'aujourd'hui. N'ayez pas peur, parce que je vous ai vu, je vous ai visualisé face à ce puits. Voilà, là il y a l'abysse, hein, l'abysse qui tombe au fond du puits. Et vous êtes à trois quarts, voilà, vous êtes comme ça. Et là, on vous tient. Vous êtes ancré dans votre réalité, dans votre présent. C'est pas parce que vous allez chercher des choses dans le passé, c'est comme en hypnose, vous régressez, hein, il y a des praticiens en hypnothérapeute qui vous font régresser et qui vous font aller vers des choses qui font très peur. Mais non, l'inconscient vous amène exactement là où vous devez aller sans peur, parce que vous êtes ancré, quand vous êtes en hypnose, vous êtes ancré encore dans le présent et vous êtes en sécurité, d'accord ? Mais là, c'est exactement la même chose. Et malgré qu'il y ait cette nécessité à aller chercher cet enfant intérieur et cette communion, cette rencontre et ces retrouvailles qui sont, à mon sens, très importantes, C'est un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre effectivement de passer à autre chose, peut-être de complètement balayer. Cet enfant intérieur, il va peut-être permettre de désacraliser certaines expériences, parce que au point de vue vision d'enfant, à l'époque, vous aviez peut-être vécu quelque chose de catastrophique, cataclysmique, est-ce que ça se dit? Bon, bref, vous avez compris. Un cataclysme, quoi. Mais ça appartenait au passé et aux yeux de l'enfant que vous étiez. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, cet enfant Verseau a grandi. Vous êtes adulte. Et le fait d'aller rechercher cet enfant intérieur, l'enfant intérieur, il a continué à grandir avec vous. Et il a eu cette compréhension. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous deviez parler à cet enfant intérieur, déjà, vous allez le rassurer. Et deuxièmement, il va vous dire, oui, mais du coup, j'ai grandi. Et du coup, j'ai compris qu'à l'époque, ça avait une importance très grande. Mais bon, à l'échelle humaine, à l'échelle adulte, c'était pas grand-chose en fait. Donc, ça va être aussi cette communication et cette communion de sentiments qui vont vraiment vous permettre d'abaisser peut-être des niveaux qui vous paraissaient énormissimes, quoi. La guidance sentimentale. Alors, on a vous ici, là, hein, d'accord, hein, mes amis Verseau. Vous avez votre partenaire ici et vous avez le lion, voilà, le trait d'union, la carte trait d'union. Au jour d'aujourd'hui, on est sur une prise de conscience de ton âme sœur. Exactement, encore une fois, en raccord avec ce nouveau cycle, de très bonnes cartes, décidément. Alors, pas l'hiver, hein, on n'est pas du tout dans ce mois. Là, vous avez travaillé. Et vous avez tellement travaillé qu'il y a une nouveauté, oui et non, parce que cette âme sœur était peut-être à côté de vous, puisque vous en prenez conscience. Mais vous avez des nouveaux yeux. C'est comme si, tac, on vous avait mis des nouveaux yeux bleus, verts, enfin j'en sais rien, ou des yeux cosmiques qui peuvent regarder tout et partout. Alors, pas les yeux où on voit en dessous les vêtements, là. les espèces de yeux infrarouges, là. Non, des yeux du cœur, des yeux de la conscience. Et vous tournez, il était peut-être ou elle était peut-être derrière vous.
voyez? Donc on est peut-être justement dans, on vous met des nouvelles lunettes, hein, on vous enlève vos lunettes de saucisson, en pot de saucisson, et on vous met des vrais verres, les verres de l'amour, les verres de la conscience. Voilà, l'âme sœur, elle est près de vous. Elle vous attend. Elle attend que vous soyez prête, ou du moins l'univers attend que vous soyez prêt à accueillir une personne qui est dans votre conscience et qui résonne avec ce que vous valez, ce que vous prévalez. Je vous l'ai dit hein, dans le professionnel tout à l'heure, vous attendez d'être payé à la hauteur de vos efforts et à la hauteur de ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui. D'accord? Ben, c'est exactement la même chose au point de vue sentimental. Aujourd'hui, vous êtes capable de recevoir une personne à votre hauteur, à votre valeur. Alors, de votre côté, il y a quand même un petit peu de réticence encore. On a le loup qui apparaît, ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans le piège. Alors, oui, ne pas tomber dans le piège de l'ego pour ne pas recommencer de nouveau un cycle qui est identique à celui-ci. Alors, ça serait complètement inutile et un petit peu stupide de ne pas faire parler votre enfant intérieur, encore une fois, je vous le rappelle, et de ne pas être dans cette joie de cet instant présent. J'entends vraiment pour vous, carpe diem, qui vivra, verra, laissez faire. Laissez faire, soyez dans la fluidité, j'entends même fluidification, donc là, c'est même pas le petit ruisseau, là, on est carrément sur la cascade. Donc, faites attention à vous. Parce que votre, on le voit le 22, il est en règle générale, c'est celui qui construit. Et vous avez peut-être peur du futur, vous avez peut-être peur de l'avenir. C'est ça aussi, si vous ne vous lanciez pas aussi, c'est parce que vous cramponniez à cette corde, à cette dernière corde. Il faut la lâcher, il faut lâcher la bride. Permettez-vous de vivre, permettez-vous d'être dans l'instant, permettez-vous d'être vous en fait. Si vous avez des défauts à revendiquer, bah, revendiquez-les. Voilà, je suis comme je suis et je cherche quelqu'un de ma valeur et je cherche quelqu'un qui va rigoler de ça ou qui va dire bah, oui, t'as ça comme défaut, oui, alors bon, ok, t'as un œil qui part un peu plus à gauche de 2 mm. T'as un petit peu de poids sur les hanches. Tu manges comme ça. Ouais, ben bah, moi, c'est pire. Hein. Si tu savais, j'ai les pieds qui puent. Bon, ben bah, voilà. Rigolez de vos différences, acceptez vos différences, acceptez-vous d'abord, et essayez d'être en autodérision. Bon, ben écoute, j'ai un petit peu de gras sur mes hanches, ben c'est pas grave, comme ça je peux mettre ma jupe de vainé et faire danser ma jupe de vainé. Bon, mais voilà, c'est pas grave. J'ai une personne dans mon entourage qui me dit toujours, c'est pas grave. Elle a raison, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave? Vous n'êtes pas mort là, donc il n'y a pas de... C'est pas fini en fait, justement, ça recommence. Donc on y va. Essayez d'être honnête avec vous. C'est ça que ça veut dire, malhonnête. C'est que vous êtes en auto-sabotage. Et la dérision, justement, va vous permettre de, waouh, de vous ouvrir en face de vous. Il y a un message qui est envoyé. Hein. On vous envoie des messages. On vous envoie des messages. Voilà, il est dans l'attente, il ou elle, votre partenaire. Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, là, l'univers vous envoie quelqu'un. La décision, l'action ne peut venir que de vous. Enlevez-moi ces pots de lunettes de saucisson, ces lunettes en peau de saucisson, je vais remettre les mots dans le bon ordre, et mettez vos lunettes du cœur, mettez votre lunette d'enfant. D'ailleurs, on n'a pas besoin de lunettes quand on est enfant. Bon, pas tous les enfants. Mais on n'a pas besoin de lunettes de l'amour parce qu'on vit déjà avec plein d'amour quand on est enfant. Essayez de revenir ce gosse. Comment vous étiez quand vous étiez pur, honnête, qu'il n'y avait aucun, entre guillemets, défaut, que l'ego n'avait pas pris la place. Mais la personne en face, ce partenaire, est disponible. Il est là. Regardez cette carte. J'ai eu un OK en même temps. Vous voyez, encore, tous les espoirs sont permis. Bénédiction, succès, triomphe, blabli, blabla, soleil, amour, compassion, réussite. Là, on est vraiment, si vous vous connectez vraiment à ce que je viens de vous dire, on recommence sur quelque chose, enfin, pas on recommence, on commence quelque chose de complètement novateur. Vous êtes à la porte d'une nouvelle vie, d'une nouvelle étape que vous avez décidée parce que vous avez travaillé avec votre
enfant intérieur et ça réussit. Voilà, donc on a aussi, quand vous êtes en couple, un partenaire qui est capable aussi de vous faire rire de la vie. Et j'ai envie de dire, voilà, il vous envoie plein de messages, mais pour l'instant, vous n'êtes pas très réceptrice, n'importe quoi. Je suis dans la factrice, moi, n'importe quoi. Vous n'êtes pas très récepteur, récepteuse, vous n'êtes pas dans la réception. Et quand je suis en canalisation, j'oublie complètement les mots terrestres. C'est une catastrophe, je suis désolée. Mais là, alors peut-être pas que vous n'êtes pas en diapason, mais effectivement, en face de vous, vous avez un clown. Vous avez quelqu'un qui vous permet de vous faire rigoler. Alors bon, il y a un adage qui dit « femme qui rit, femme à moitié dans son lit ». Mais c'est ça aussi, c'est la rigolade, c'est prendre toute la vie avec des yeux d'enfant en fait. Et on le dit des fois, waouh, ma vie elle est morne, elle est terne. Ouais, mais parce qu'on s'amuse plus en fait, on n'a plus le temps, on a trop de responsabilités et c'est moins fun. Si vous le faites, si vous laissez rentrer l'amusement dans votre vie, tout ne sera que solaire, tout ne sera plus que léger. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Verseau, une guidance de ouf. Je vous retrouve très bientôt pour les prochaines guidances. Passez un très beau mois de juillet, je vais y arriver. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!